faites des reportages. Ah ben je vous reconnais, vous, je vous ai déjà interviewé. C'est sur la télévision. Oui, ça va passer à la télé, oui. Comment ça me fait chier que ça. Ah oui, vous êtes le pêcheur mal embouché. Mal embouché, mal embouché, non mais dis donc, j'ai pas mal embouché, vous. Comment ça me casse les couilles avec vos conneries, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reviens vers vous, là. Je viens la pêcher, il n'y a même pas une touche, rien. Ils ont enlevé le poisson ce matin ou quoi? Regardez qui court, celle-là. Après quoi, quelle court? Oh, un beau petit cul. Oh, un beau petit cul, hein. Une belle cuisse. Mais ben, film, fait. Ah bah, je vais en faire profiter. Non, non, oh, elle est loin, là. Hein? Elle est loin, hein. Non, 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 ça va pas loin. Bon, je reviens sur vous. Alors? C'est vous qui m'intéressez. Pourquoi je vous intéresse? Je fais un documentaire sur la pêche. Sur la pêche? Ah ben, avant, on parlait de la pêche. Il n'y a même pas un poisson là-dedans. Qu'est-ce que vous nous faites chier, vos conneries? Vous faites payer les cartes aux gens pour regarder le bouchon, il ne bouge pas. Le bouchon ne fonce pas. Le bouchon fonce si il y a quelque chose. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose quand même. J'ai rencontré une personne, elle s'appelle Plum Quick. Et alors, là j'ai rencontré quelqu'un de drôle. Ça ne dit pas que je prends mon bateau, je pars dans l'eau, je ramons à gauche, je ramons à droite, et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois pas dans l'eau? La Plum Quick. J'y fous un coup de rame sur la gueule, elle remonte la tête de l'eau, elle monte en bateau. Ah ben je dis là, ma Plum Quick, tu vas voir un petit peu, moi je te redescends du bateau. Parce que l'eau c'est pour toi, mais pas pour moi. Je rame à fond, je rame un coup à droite, je rame un coup à gauche, la Plum Quick attire à droite, attire à gauche. D'un seul coup, la Plum Quick, plouf, la blague tombe dans l'eau. Ah, j'ai fait un coup de rame en plein sur la tronche, pling, elle coule. Ouais. Et elle coule, pouf, je pars. Je fais peut-être pas 10 mètres, qu'est-ce que je vois derrière moi? Ce putain là qui revient. Au nom de Dieu, le bon Dieu, si elle revient là, je vais la nayer. Et quand elle est arrivée, ça n'a pas loupé, j'ai chopé par les kiffs. J'ai nayé dans l'eau comme ça, et j'ai appuyé sur la gueule, et j'ai nayé. Puis après, ben, je suis parti chez nous. Je n'ai plus entendu parler, voyez-vous, du coup. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et vous commencez à pécher avec votre belle. Ah, c'est une amie à vous, la Plum Quick. C'est une copine, la Plum Quick, mais une bonne peau de vache. Parce qu'à chaque fois, vous m'en parlez, mais. Ouais, bon, j'en parle parce que c'est comme ça, quoi. Je n'ai pas connu beaucoup de femmes, vous savez. Pas beaucoup. Bon. Vous êtes sûr? Mais... Par contre, j'ai un beau petit bijou là quand même. Là. Ah, oui. Dit, là. Ah, vous avez un beau maillot aussi, vous n'êtes pas habillé comme l'autre fois. Ah bah j'ai mis le maillot là, aujourd'hui, là, c'est pas le même jour, là. Puis il fait déjà moins chaud, puis on commence à prendre des petits maillots qui sont un petit peu, comment dirais-je, un petit peu plus chaud quoi, hein, un petit peu plus chaud. Mais vous savez, vous commencez à me casser les couilles, hein, avec votre bordel là. Qu'est-ce que vous avez à me faire chier? Ah oui, c'est vrai, c'est la guitare. Ouais. Là, c'est la guitare. Ou alors, bon, ça, c'est mon bijou, ça a coûté très cher. Ah, combien? Très cher. Payé chez Noël. 50 euros. 50 euros, beaucoup d'hommes, vous pouvez en mettre quelques-uns de plus, des 50 euros. Vous diriez 3340 euros, 350 euros. Vous seriez plus près de la vérité. Ah oui. Moi, je vous le dis tout de suite, Bobby. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis payé ça pour me faire un petit plaisir. Ah, vous êtes un peu d'argent quand même alors. Oh, bah, combien vous me donnez pour que je passe ça à la télé? Mais je vous emmerde pas mal, je vous donne rien du tout. Ah du tout? Si vous allez me donner quelque chose, vous croyez quand même pas que je vais vous payer pour que me prendre en photo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Allons. J'ai 7 gaules là en batterie, il n'y a pas une touche. Rien. Ils ont dû enlever le poisson ce matin. Mais je vous cause quand même. Vous avez le bon appât, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai un bon appât, ils ont pendu le poisson ce matin. Puis bon, remettront quand j'en serai parti. Bon, bah, je reviendrai vous voir un autre jour, voir si ça va mieux. Ouais, si vous voulez, mais venez pas trop me casser les couilles trop souvent, hein, parce que vous commencez à me faire chier. Hein. Moi, je suis pas tellement télé, alors faut pas me casser les couilles à télé. Bien sûr, si je viens à la pêche, c'est pas moi, pour regarder cette connerie de télé. Hein. Ils racontent que des conneries là-dedans. Il y a des morts partout, il y a dans un camion, ils ont retrouvé je sais pas combien de macabées qui étaient congelés. C'est en Autriche, il paraît. Ah, j'ai entendu. Oh, bah tiens, voilà un drôle. Ah, il a mis un beau bateau. Salut, ami. J'ai dit bonjour, j'ai vu aussi. J'aime bien, vous voyez. Bon, bah,